15 ans. Inspiration. Cirque du monde. Changer le monde. Je voulais être conséquent d'une chose que je m'étais dite au début du Cirque du Soleil. C'est la journée où on pourrait avoir un confort financier, que ça allait être important un jour de partager cette richesse-là. On a identifié les jeunes de la rue comme étant une cause fantastique pour nous. Les fondateurs du cirque, Guy, les arts du cirque viennent de la rue. Cirque du Monde, c'est un projet conjoint entre Jeunesse du Monde et le Cirque du Soleil. Nous, notre préoccupation, ça a toujours été les jeunes. Ça a coulé, je dirais, comme de source. Là, c'était une alliance naturelle. On a débuté en 95 et c'était Rio, Montréal, Toronto, Vancouver, Recife et Santiago, dans 6 villes. Je l'ai vécu avec eux et j'ai encore des souvenirs mémorables de ce que ça a pu créer comme énergie. Les jeunes étaient présents, les jeunes avaient hâte au lendemain. Le programme marchait bien avec les jeunes, les partenaires sociaux étaient extrêmement contents. C'était la bonne voie, mais c'était la voie difficile aussi. Parce que quand on a présenté quelquefois le projet des bailleurs de fonds, oh non, mais là, il faut que les jeunes aillent à l'école, il faut que les jeunes travaillent, il faut que les jeunes s'instruisent. On va pas leur payer de l'amusement de cirque. Alors, toute cette idée-là qu'il a fallu déconstruire pour montrer que le cirque était un outil d'intervention éducatif, social. Cirque du Monde, c'est un projet aujourd'hui porté par de multiples partenaires partout sur la planète. Évidemment, Cirque du Monde, c'est devenu, je veux dire, international. Si t'es dans une situation où t'as la chance de bien vivre, d'avoir tes 3 pas par jour, d'avoir ton eau à tous les jours, pour moi, c'est fondamental de partager la richesse. Et ça devrait être intégré dans chacune des entreprises, dans le cœur de chaque individu. Je pense qu'on juge les grands projets à leur durée. Alors, un projet qui dure, c'est un projet qui a été passionnant et qui est toujours passionnant. Cirque du Monde.